Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le président par intérim de l'Université Mohamed V de Rabat, Messieurs les présidents des universités, chefs d'établissement et vice-présidents, professeurs universitaires, chères intervenantes et intervenants, étudiantes et étudiants, chères assistantes, soyez les bienvenus parmi nous aujourd'hui à la troisième édition de Leadership Talks sous le thème « Le leadership face aux mutations, alliés, résilience et agilité ». Mesdames et messieurs, avant de passer aux allocutions officielles, commençons agréablement par l'hymne national du Royaume du Maroc. Dans le cursus de formation de nos jeunes étudiants. À présent, j'invite Monsieur Abdel Karaoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à faire son mot d'ouverture. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mesdames les ministres, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur de l'École Mohammedia, Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les professeurs et les chercheurs, chères étudiantes, chers étudiants, honorables assistants, je voudrais commencer mon mot d'abord par remercier chaleureusement tous les conférenciers qui ont accepté de réaliser avec nous cette troisième leadership. Mais je voudrais remercier tout particulièrement Sylvie Delgavier, notre sélectionneur national, qui a changé son agenda pour venir, et plus particulièrement lorsque je lui ai demandé de venir, parce que nous avons un travail pour rendre confiance, donner confiance à nos femmes, et qui aujourd'hui représente dans l'université marocaine pratiquement 50% des étudiants. On est un des pays les plus jalousés sur la situation de la fille étudiante dans le monde qui nous entoure, et plus particulièrement comparé à notre continent africain, comparé avec les universités européennes. Nous dépassons 43% chaque année de lauréates dans nos établissements, et encore plus particulièrement dans les écoles d'ingénieurs. Nous sommes dans une grande école d'ingénieurs, que je voudrais remercier les responsables de cet établissement pour nous accueillir. On dépasse 51% dans les écoles d'ingénieurs, ce qui est unique dans les universités internationales. Il s'agit d'une question que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, place au rang des priorités pour parachever l'édification d'une société ouverte, inclusive et prospère. Et je citerai juste le discours à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la fête du trône. Depuis notre accession au trône,
Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme en lui offrant toutes les possibilités d'épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Je reviens d'une grande conférence internationale qu'organise la Grande-Bretagne tous les deux ans, qui s'appelle le World Forum for Education. Et le maître mot qui a été développé, c'est vraiment l'empowerment, c'est la capacitation. Et c'est un sujet aujourd'hui qui engage toutes les universités internationales et nous sommes en train de converger vers un standard international dans lequel la capacitation, l'empowerment, et le mot est plus profond en arabe, temkin, qui devient vraiment le leitmotiv de tous les développements aujourd'hui universitaires, parce que tous les changements que nous sommes en train de vivre nécessitent de former des jeunes qui soient dans la capacitation et non pas dans le gavage, excusez-moi de le dire de manière aussi rapide et aussi vulgaire. Et je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Il n'y a pas plus tard encore que ce matin, dans un conseil de gouvernement, nous avons parlé de l'intelligence artificielle et la stratégie de notre pays dans ce domaine. Et j'aime toujours rappeler que les outils dont on entend parler, vulgarisés encore sous forme de ChatGPT, ne datent que de novembre. Et depuis novembre, nous subissons, toutes les semaines, nous subissons quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas terminé. Je pense qu'on va continuer sur ce rythme pour les 10 prochaines années. Et j'aime toujours rappeler qu'il y a 10 ans, les 10 premières entreprises mondiales étaient toutes dans l'industrie. Toutes. General Electric, Alstom, l'automobile, tout ce qu'on veut. Et que depuis 10 ans, les 10 premières, il n'y en a aucune de ces anciennes, elles sont toutes dans le digital. Et nous avons remarqué également que justement, que nos diplômés, nos lauréates, nos filles, elles ne sont pas en masse dans ces filières d'avenir. Et que bien évidemment, il va falloir qu'on essaie de les former, on essaie de les initier pour qu'elles puissent tenir compte de tous ces éléments. On est dans une manifestation spécifique, leadership, pour donner confiance à nos filles. Et je vais quand même donner quelques chiffres qui sont du Forum économique mondial. 23% des emplois actuels devront changer dans les 5 prochaines années sous l'effet de l'automatisation. Il faut absolument que nos filles puissent participer à ce mouvement. 9% des hommes et 11% des filles risquent de perdre leur emploi sous l'effet de cette automatisation, et ce qui représente 180 millions d'emplois dans le monde. Ça veut dire que nous serons également touchés chez nous. La frontière entre la machine et l'homme passerait respectivement de 34% et 66% en 2022 à 43% et 57% à l'horizon 2027. Ce que je veux dire par là, c'est que notre pays se prépare et depuis pas mal de temps à faire face à toutes ces ruptures, on peut les cataloguer comme ruptures, et qu'il faut absolument qu'on arrive à les intégrer de manière progressive et rapide surtout. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le pacte ESRI 2030, le plan d'accélération et de transformation de notre écosystème universitaire, pour qu'ils puissent intégrer tous ces éléments. À la rentrée prochaine, en septembre 2023, nous avons décidé d'ouvrir, de revoir toutes les formations de Bac plus 3, tous les accès ouverts seront complètement ouverts. Nous avons demandé à tous nos chefs d'établissement et nos présidents de repartir avec une feuille blanche et qu'on puisse réviser tous nos contenus pédagogiques, qu'ils soient sciences humaines et sociales, qu'ils soient sciences exactes, et en y intégrant des formations sur l'intelligence artificielle, les data science, comment faire des experts autour de ces outils qu'on appelle vulgairement ChatGPT, mais en réalité il y en a beaucoup d'autres, et qu'il faut absolument que nos enfants, et surtout encore nos filles, puissent apprivoiser le plus rapidement possible. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que je ne voudrais pas être long, et je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont accepté cette invitation. Je voudrais remercier tous les étudiants et étudiantes et nous excuser auprès de ceux qui peut-être nous suivent à travers YouTube ou Facebook ou d'autres réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas, bien évidemment, pu satisfaire toutes les demandes. Et je disais à Siwalid que, bien évidemment, l'amphi va être plein parce que tu représentes, cher Walid,
tu représentes la confiance et le succès de notre pays. Et il faut absolument qu'on arrive à nous inspirer de ton expérience. Cette expérience de la capacitation et de la gestion des groupes et que c'est ce que nous voudrions développer dans nos universités de manière positive et que, bien évidemment, tous ceux qui réussissent dans la vie, c'est qu'ils ont ce côté, voilà, ce côté qui, des fois, on a du mal à le modéliser. Et c'est ce qu'on appelle, nous, les compétences transversales, des fois les soft skills, et que je préfère plutôt les appeler power skills. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, nous ne savons pas encore l'enseigner dans un amphithéâtre, nous ne savons pas encore l'enseigner dans une classe de travaux dirigés ou dans une formation classique. Mais, bien évidemment, nous essayons de le faire avec le para-universitaire et avec des manifestations comme celle d'aujourd'hui. Mais nous organisons à partir de la rentrée prochaine un module qui sera dédié à la capacitation des filles, que nous allons appeler « leadership », et qui va rentrer dans le parcours des étudiantes, qui sera comptabilisé avec des crédits du CTS, et qui vont compter dans leur parcours universitaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite à présent Monsieur le Président par intérim de l'Université Mohamed V de Rabat, Sifali Bacha, pour faire son allocution. Merci, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, chers amis. C'est un moment très particulier et très émouvant, probablement sans doute, pour nous tous, que celui qui nous réunit aujourd'hui. Et avant toute chose, dire les remerciements et la gratitude de notre université à Monsieur le Ministre qui a soutenu totalement et pleinement cette initiative. Je voudrais aussi remercier le directeur de l'école Mohamedia d'ingénieurs, dont je disais à l'instant que plus qu'une école, elle constitue un patrimoine national par sa mémoire, par son histoire, par sa contribution à la formation des cadres du Maroc indépendant. Quand je vois ces lauréats assumer des responsabilités importantes, quand je les vois contribuer au rayonnement de notre royaume, quand je les vois susciter l'intérêt du monde, et pas uniquement chez nous, il me permet alors de dire que l'université marocaine, Malgré les défis, notre université publique marocaine est capable de tous les possibles. Comme le royaume du Maroc est capable de tous les possibles. Là où les autres n'ont pas pu ou su faire, dans des moments difficiles que nous connaissons tous, le Maroc a pu et a su. Et cela est rendu possible par le pacte indéfectible qui unit le peuple à son roi. Que Dieu l'assiste et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président par intérim de l'Université Mohamed V de Rabat. Honorable assistance, permettez-moi de faire un zoom très rapide sur les trois activations du programme Leadership, sont les suivantes. Leadership Network, qui se traduit par un réseau d'experts en leadership à mobiliser en faveur des jeunes étudiantes. Leadership Courses, à travers une plateforme certifiante en leadership ouverte au profit de toutes les femmes de l'écosystème ESRI. Leadership Talks, nous y sommes aujourd'hui. Vous allez le voir de près. Il s'agit de sorte de TEDx qui connecte les étudiantes et l'opinion publique à des modèles inspirants. Des modèles qui nous font rêver, qui nous envoie une petite voix qui nous murmure à l'oreille « Tout est possible, tout est réalisable, il suffit de croire en vous ». Sans plus attendre, nous allons démarrer ce beau voyage inspirant avec des intervenantes et intervenants qui ont relevé des défis, qui ont constitué une lumière pour plusieurs personnes et qui ont surtout une histoire, une expérience et un discours impactant.
Ils sont avec nous aujourd'hui et c'est un plaisir de les avoir avec nous. Et je commencerai par ce mot magique qu'on avait l'habitude d'utiliser, de dire, d'y croire. Mais un jour, ce mot s'est transformé en notre devise, notre source de positivité extrême et notre force. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Nia. Il a cru en la jeunesse. Il a cru en la jeunesse, en la force de la jeunesse. Et ça sera notre premier talk avec l'entraîneur de la sélection nationale, premier entraîneur arabe et africain à se qualifier pour les demi-finales du mondial et meilleur entraîneur arabe de l'année 2023. Alors, je suis Marcel Darija Diani et de Mkhaka ou la France Aouya. Et Allah. Aoul Haja, un charaf kbir, il coule avec vous. Zeb Marat, qui a été libre de Nahdar dans des conférences, mais Nesvalili, quel mohim, il coule avec vous. Surtout Nigaloli et à beaucoup de jeunes étudiantes qui pour moi, Nesvalili, vous représentez l'avenir d'Yel Bledna. Et j'espère que dans le futur, vous trouverez votre place, Inch'Allah, fil Maghreb. Ou ta'ouno, Bled Yelna, f'haligaro, d'Rey Yelna, f'kass l'alem. Donc, Galoli, c'est plutôt à l'expérience d'Yelna, la Coupe du Monde. Le leadership, ou le leadership pour, particulièrement dans le football. Qui fait Jena, j'ai de la réussite, n'est-ce pas, Lili? Déjà, c'est de croire. M'nom li qadrin. Mais m'nom li qadrin, il y a plusieurs manières. Déjà, il faut avoir la confiance en soi. Vous avez les capacités intellectuelles pour vous. Là, c'était plus sportif qu'autre chose. De pouvoir rivaliser entre d'autres pros, des gens qui, soi-disant, sont plus forts. Ou plus important que nous. Et ça part aussi, n'est-ce pas, Eli, de la réflexion culturelle d'Yahna. Souvent, on a le côté négatif, ni qu'un chauffeur n'a pas là, qu'un boulot qui est au Marseille maintenant. Hakana de Batim Nesnin fait le Maghreb, direct fait le Fatia, fait le Widet, ou l'a abadi chauffe fait le Maghreb, ou qu'il n'a qu'un inch fait l'Alem. Quand on a dit les Mohima, والناس اللي يوصلوا لي نقدروا نديروا شي حاجه لي كبيره ومليح زيد الفرقه وقلت الرئيس حنا ما غاديش كاس العالم باش نلعبوا غير ثلاثه ماتشات شنو كان كيتراقب في المغرب كان كيتراقب ملي كنمشيو لكاس العالم غير كنربحوا ليكوس كنخرجوا على برا كنقولوا ربحنا ليكوس لا ديرنيير كوب دي موند 2018 درنا التعادل مع اسبانيا وكنا فرحانين قلنا وتعادلنا دينا التعادل مع اسبانيا وكنا فرحانين Il fallait changer les mentalités. هذه مخرقة شوية دخلها في الراس ديال اللعابة غتفهموها دونك كيفاش وصلت ديجا يفالي فالوريزي لي جوار كوم بروفيسور دوا فالوريزي لي زيتيديون سي بلوس ان كونساي لور دير كو فوز ايت كابابل فوز ايت با موان بون كو دي امريكان دي شينوا دي اوروبيان في القراية ديالكم و بيان في لا كاباسيتي Donc, un ami qui chauffe, par exemple, Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, Mazraoui, Annan Nassiri ou Bono Livsevi, vous êtes dans la cour des grands déjà. Donc, pourquoi on va aller à la Coupe du Monde, Ral Khafo, des joueurs, les 4 Labo de Dôme, tous les week-ends.
Ensuite, on a la capacité d'organisation fait parler de la Fédération GMEA, et je tiens à remercier particulièrement le président et Sa Majesté l'Aïnoussou qui nous ont donné les moyens nécessaires pour pouvoir se battre à armes égales avec les grandes nations du football. Et la capacité psychologique du joueur marocain, mais je pense que Tahna, les Marocains, on est comme ça, on a besoin de confiance. Anna dit que le problème intellectuel, on doute beaucoup. Dima Kanfro, mais Tsarakachitam, les familles, Walid Diana, Ashurti Wulflem, Shah Delhachi, Ashurti Wulflem, Abu Ashlin Ashlin, Tajirti Retontash, Maradish Tosan. Shurti ma trottiche, je ne sais pas c'est quoi la meilleure école d'ingénieur fait la LM. Et bien ça justement, ça fait partie justement de se dire qu'on est dans les meilleures capacités, les meilleures conditions pour réussir. Et la meilleure école, c'est la nôtre. Et même si d'autres diront que ça y est, non, c'est la nôtre. Donc, c'est une question juste de confiance. Même quand il y a des gens qui vous disent que c'est pas possible, que ça va être dur, c'est jamais facile. Et c'est toujours dur, Bechtouslo. Pour être quelqu'un qui réussit, il faut tomber, il faut se relever. Il va y avoir des doutes. Des fois, vous n'aurez pas les bonnes notes. Des fois, vous ne serez pas accepté. Mais un a qu'un amène les quatre mots, quatre sebro, quatre aoudo, quatre proches, quatre toyitko, vous pouvez réussir. Et il y en a qui réussissent plutôt que d'autres. Mais comme je dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire, vous verrez où vous arrivez. C'est difficile de vous dire plus que ça, c'est que Dikdiropnia, une conférence de presse, où l'Arkat, parce que Mimshina Kessel Alem, qu'elle amène l'énergie maganetch positive, ou peut-être une mail, peut-être bien sûr Sahafi Indiana, ou Adil Kadgolko, parce que des fois, les ondes positives, elles viennent de votre entourage. Il y en a qui vont essayer de vous pousser. Et il y en a qui vont essayer de vous faire tomber. Mais quand tout le monde prend en vous, tout le monde pousse, tout le monde dit, on sait que vous êtes capable, subhanallah, comme je dis, le Kora, Kadrak Poto, Kadroj. Alors, c'est pas juste une croyance de dire, ouais, un dernier, et je vais pas me lever le matin et ça va réussir, ou bien je vais travailler. Non. C'est que les ondes, elles sont importantes d'avoir la confiance en soi. C'est très important. Ana Aoudelkoum, parce que vous êtes jeune, mais moi, par exemple, en tant qu'entraîneur, je n'ai pas gagné tous les matchs dans ma carrière. Je n'ai pas gagné tous les titres. Mais le fait de perdre des titres, ça m'a permis d'avoir l'expérience nécessaire pour, à la Coupe du Monde, pouvoir savoir ce que c'est que de pouvoir faire gagner un groupe. Et par exemple, en 2004, Arsam Alkes Afrika Tunis en finale, c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Mais j'ai appris de cette défaite pour revenir plus fort, par exemple, à cette Coupe du Monde et pouvoir faire passer des bons messages à mes joueurs. Donc, la confiance en soi, c'est important. Le travail et l'entourage aussi. Et ne pas lâcher. Aujourd'hui, c'est extraordinaire comment le Maroc se développe. La place de la femme a évolué au Maroc. Et c'est important parce que vous êtes l'élite. Inch'Allah, du Maroc, vous allez pouvoir faire progresser le pays. Vous êtes peut-être des futures mamans ou non. Ça ne veut pas dire que vous réussissez ou pas, mais vous allez transmettre aussi des valeurs à vos enfants. Et c'est important que ces valeurs, Inch'Allah, à l'avenir aussi, ce soit un Maroc du futur qui réussisse et qui est capable justement de faire grandir ses enfants pour réussir. Et vous avez une grande responsabilité, hein, peut-être plus que les footballeurs. Là, on joue 10 ans. Et on est de passage, vous êtes dans la société ancrée, vous faites passer des messages, et vous avez plus de valeur pour moi que des footballeurs. Nous, on ne fait que courir après un ballon. Après, il y a l'avenir, justement. Alors, à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Maintenant, on est là-bas, on a dit qu'il y a un homme qui est le Sénat de Maghreb, il dit un titre, il dit qu'il s'appelle Inch'Allah. C'est normal. Alors, un peu comme tu fais, je fais Carla Slavoka. On me dit souvent, ah, t'as la pression d'abord.
C'est comme vous, quand vous rentrez dans une entreprise, Inch'Allah, premier emploi, tu as la pression, maintenant on va te demander de réussir. Alors comment je retire la pression? C'est donner le maximum, pas avoir de regrets. Je fais le maximum, je regarde tous les détails pour Inch'Allah qu'on puisse ramener la Coupe d'Afrique au Maroc, mais je sais que c'est possible, parce qu'on fait qu'un sport, on fait un sport qui est difficile. Nicole Canada, Alain Poto, ça peut nous arriver aussi nous, d'avoir un match, on ne va pas réussir, on va se faire éliminer, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on donne le maximum, on donne de la confiance et on ne met pas de la pression inutile, et c'est ce que je vais donner aux joueurs Inch'Allah, et je préfère la prendre moi en tant qu'entraîneur, prendre la pression pour moi, pour libérer mes joueurs de la pression. Et vous ne devez pas vous mettre cette pression. La pression, elle est bonne de temps en temps, mais elle est souvent négative, surtout pour nous. On est éduqué comme ça, malheureusement, on ne va pas changer en 5 ans, 10 ans, mais à l'avenir, Inch'Allah, on aura moins cette pression. Mais la pression, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, il faut regarder toujours les choses positives. Nous, on va aller à l'avenir pour gagner, Inch'Allah, pour donner le maximum, pour rendre fier notre peuple, avec nos valeurs, comme on l'a montré à la Coupe du Monde. Et après, il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'à un moment donné, où on sera récompensé ou pas. Mais si on n'est pas récompensé à la prochaine Coupe d'Afrique, on va repartir pour encore la gagner jusqu'à ce qu'on la ramène, Inch'Allah, au Maroc. Et c'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que j'espère vous dans vos études, vous penserez. Après, j'ai rien de particulier à rajouter, c'est difficile pour moi de rajouter d'autres choses. Merci en tout cas, parce que quand on est rentré au Maroc, honnêtement, il y a un Et quand on est rentré, on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être vous êtes identifié à cette équipe. Et c'était mon premier objectif, c'était que les 4 fois j'offre un match, une équipe qui se bat pour son pays. Et je pense qu'on l'a bien rendu, et vous nous l'avez bien rendu. Quand on est rentré, c'était un accueil extraordinaire. J'espère qu'à l'avenir, on ne vous décevra pas. Inch'Allah, on fera le maximum pour ça. Mais en tout cas, vous nous l'avez rendu, et je voudrais vous dire encore merci. Et Inch'Allah, le farah comme encore. C'est important. Les applaudissements pour Walid Bouledi, pour ce message plein d'espoir et de sincérité et de partage aussi. Merci beaucoup, Walid. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On passe à notre deuxième invité. Notre deuxième talk s'intitule « Parcours de résilience, histoire universelle et particularités marocaines » avec la représentante pays de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Maroc. Sana El Hlou dispose d'une longue et riche expérience dans la conduite et la réalisation de plusieurs programmes économiques structurants dans les secteurs publics et privés au Maroc et à l'international, dont certains ont été relatifs aux problématiques de développement industriel. Notre intervenante Sana El Hlou a reçu plusieurs distinctions, dont l'une des plus récentes est relative à sa nomination par le World Economic Forum en 2021. Elle est parmi les 100 jeunes leaders mondiaux engagés pour construire un avenir meilleur à travers l'amélioration de la situation socio-économique dans le monde. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Madame Sana El Hlou. Mesdames et messieurs, bonjour. Salam alaikum. Je suis extrêmement émue, heureuse et enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre d'enseignement supérieur, pour votre aimable invitation. Mesdames les ministres, monsieur le président de l'université, messieurs et mesdames les corps professorales, mesdames, mesdemoiselles les étudiantes, messieurs les étudiants, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui.
j'étais installée et il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit en regardant notre brillant entraîneur national Siwalid El Gradi parler. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette invitation? Qu'est-ce qui m'a pris de venir après l'homme qui a mené nos Lions de l'Atlas en demi-finale de Coupe du Monde? L'homme qui a fait célébrer tous les Marocains dehors, tous les Africains dehors, cette victoire. L'homme qui a créé nos nouveaux héros. Et je me suis rassurée en me disant que finalement, la seule chose que j'ai par rapport à Serge Gnabry, c'est que moi j'ai encore mes cheveux, monsieur Gnabry. En tout cas, je suis vraiment ravie, plaisanter à part, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord poser une question. Qui sont parmi vous celles et ceux qui se considèrent comme étant leaders? Merci de lever votre main. Malheureusement, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas beaucoup, justement. Pourquoi on a cette notion que le leadership, c'est quelque chose de monumental? Le leadership, c'est un titre. C'est quelque chose qu'on a acquis après des années. Une position, une carrière accomplie. Non. Le leadership, c'est cette capacité, justement, à influencer, à créer un impact positif sur les populations. À créer un impact positif sur votre quartier, votre famille, votre rue, votre pays, un peu plus loin. Mais le leadership, c'est d'avoir une vision. Et M. Le Gradi l'a dit à juste titre, c'était pas des objectifs, mais c'était avoir une vision, cette vision positive, et entraîner les gens avec vous dans ce leadership. Donc c'est très important de garder ceci en tête. Et moi, je suis là justement pour partager avec vous quelques exemples de mon parcours de résilience en tant que leader. N'ayons pas peur de ce terme de leadership, au contraire, chacun de vous est leader quelque part et il faut justement favoriser et développer cette résilience et ce leadership. Je suis Sana Alflo, pour contextualiser un peu, merci pour l'introduction, je suis en effet représentante aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Maroc, mais c'était un long parcours du combattant, un long marathon pour en arriver là et c'est pas fini. J'ai commencé, je suis issue d'une famille modeste marocaine. Une famille, mon père Marahmo, c'était un grand romancier, il travaillait au ministère de l'Éducation nationale. On n'avait pas de contact, de réseau dans les sphères du pouvoir, dans les sphères de l'entreprise. J'avais qu'une chose en tête, c'était si je voulais réussir, il fallait persévérer. Et d'ailleurs, mon père Marahmo me disait toujours, ma fille, ton seul héritage, c'est ton éducation. Donc ma seule solution pour moi, pour avancer, c'était justement de persévérer, d'étudier, d'aller de l'avant. J'ai commencé avec l'école publique marocaine, dont je suis fière. J'ai complété ma formation dans des systèmes francophones, anglophones, grâce à des bourses de mérite. Je partage avec vous ça parce que j'étais comme vous un jour assis en train de regarder des mentors qui m'ont inspiré et qui m'ont donné justement cette force d'aller de l'avant et d'aller persévérer. Mais les études ne sont pas tout. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a les power skills, c'est extrêmement important de les développer. Ces power skills, il faut les développer à travers de la formation, avec le développement personnel, avec autre chose. Et il faut avoir confiance en vous, le Gadi l'a dit. Il faut avoir confiance en vous, développer votre résistance. Ne vous limitez pas dans des croyances auto-limitantes. Anna, dans toute ma carrière, dans tous mes stages, dans tous mes emplois, j'ai postulé pour avoir un poste. On m'a jamais fait de cadeau. Même dans mon emploi actuel, j'ai postulé sur Internet, dans le site des Nations Unies, j'ai vu un vacancy post et j'ai postulé. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que justement, il faut aller vous-même saisir cette chance. N'attendez pas qu'on vienne taper à votre porte. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qui est propre à la femme. Des études ont démontré d'ailleurs qu'un homme, quand il voit qu'il y a un poste, il va aller postuler. Une femme, elle va attendre qu'on vienne la chercher. Et ça, c'est pas normal. Les mêmes études ont montré également qu'une femme, elle a besoin d'avoir 80% des capacités pour pouvoir postuler et prétendre avoir un poste. Or, un homme, en ayant les 50%, selon lui, il serait capable d'aller répondre. Et ça, c'est pas normal. Il faut aller de l'avant, il faut avoir confiance en vous, et il faut dépasser ce syndrome de l'imposteur. Un syndrome que j'ai souvent, quand je viens à des conférences comme aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis légitime ou pas? Donc, il faut justement puiser dans nos ressources intérieures, dans notre énergie pour pouvoir aller de l'avant. Parmi les traits également de caractère très importants à développer, c'est la résilience.
Monsieur le Blague l'a dit tout à l'heure, la résilience, c'est justement tomber pour mieux rebondir. C'est d'utiliser justement ces barrières comme un tremplin de réussite, ne pas être bloqué. Je me rappelle à l'époque, et sortir de sa zone de confort. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle à l'époque, je travaillais à Paris à un moment donné, j'étais dans ma zone de confort, j'avais un très bon emploi, j'étais épanouie professionnellement, je pensais avoir créé de l'impact, en tout cas dans mon environnement professionnel, mais je me disais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose qui manquait justement, c'était mon pays. Il fallait pour moi que ce que je faisais à l'étranger, pouvoir venir et justement le développer et le give back à mon pays. Et avec toutes les stratégies royales qui étaient à l'époque, avec un leadership royal extrêmement fort, qui a ramené justement une jeune génération qui voulait faire des choses utiles, qui voulait travailler pour le pays, et je ne le regrette pas. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'intégrer un établissement public marocain, pour ne pas nommer la DIE, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, où j'en étais la directrice internationale. Et c'était extrêmement difficile en tant que femme, jeune, arrivée des fois avec des équipes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Comment imposer un leadership alors que des fois on ne vous donne pas justement ce crédit parce qu'on vous voit comme étant la femme jeune. Alors que non, justement l'exercice était beaucoup plus difficile parce qu'en tant que femme et en tant que jeune, il fallait prouver tout ceci par le travail. Il fallait prouver deux fois, trois fois plus qu'un homme n'aurait fait pour pouvoir imposer justement cette légitimité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est très important de persévérer, d'avoir confiance en soi. C'est très important aussi d'avoir un équilibre. On le rappelle pas souvent, mais je pense que comme toutes les femmes, on culpabilise. On se dit, comment je vais concilier ma vie de maman, comment je vais concilier ma vie de carrière, est-ce que je dois faire un sacrifice? Non. Une femme, elle ne peut pas être épanouie dans sa vie de famille si elle n'est pas épanouie dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est très important, gardez-le en tête. Je me rappelle une fois, j'étais enceinte, je suis partie chez mon médecin et je lui ai dit, je suis fatiguée, je vais en arrêt de travail. Il m'a dit, mais madame, vous êtes enceinte, vous n'êtes pas malade. Et justement, ça a fait un déclic dans ma tête. Effectivement, on doit concilier, on doit pouvoir concilier entre cette vie de famille et cet épanouissement dans la vie professionnelle. Mais pour cela, il y a un point très important, et je vous le dis, mesdames, choisissez un bon partenaire. On ne le dit pas assez. L'importance du conjoint. Être avec quelqu'un qui va vous tirer le bas, qui ne va pas vous encourager, je pense que vous avez des choses pour déceler ça dès le départ. Donc, le choix du partenaire est extrêmement important. Ça vous permet justement de créer un équilibre et de pouvoir discuter, communiquer pour aller de l'avant et pour vous épanouir. Ne vous, vous mettez pas avec des personnes toxiques qui vont vous tirer vers le bas. Ça, c'est très important. Et cela me ramène vers une autre idée. Entourez-vous de personnes positives. De personnes positives. Éloignez-vous des personnes toxiques. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, dans les proches. Trouvez de bons mentors, des bons mentors qui vont vous tirer vers l'excellence, qui vont vous pousser justement à atteindre l'excellence. Malheureusement, des fois, on n'a pas ça. Un autre sujet important, c'est malheureux à dire, mais des fois, l'ennemi de la femme est la femme elle-même. Et ça, c'est malheureux, et il faut combattre ça. Il y a cette théorie qu'on appelle le syndrome des abeilles. Quand il y a une femme qui arrive quelque part, ben, elle doit être toute seule. Elle veut être la seule, elle veut être entourée d'hommes, elle ne veut pas mener avec elle d'autres femmes. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Préparez votre successeur. Qui va prendre la relève après vous? Qui va suivre votre travail, justement? Mentorez-les. C'est très important. Il y a cette notion de sororité, de solidarité féminine qui, malheureusement, n'est pas assez développée. Il faut, et je vous encourage, mesdames, dès maintenant, en tant qu'étudiante, il faut aider vos sœurs, vos amis, il ne faut pas essayer d'avoir la meilleure note et de laisser les autres. On ne peut réussir qu'en réussissant ensemble. Ça, c'est quelque chose de très, très important, garder ceci en tête. Ensuite, j'avoue qu'après M. Le Galagui, c'est difficile de... voilà, allez, encouragez-moi, mesdames, allez. Merci. En tout cas, tout ça pour dire, mesdames, si je devais résumer, j'ai des expériences
très longue dans ma vie et je pourrais en parler, des anecdotes, des difficultés. Je me rappelle à l'époque quand j'étais justement à l'AMDIE, on avait développé ce qu'on appelait les caravanes de l'espoir en Afrique. Et ces caravanes étaient justement étaient faites pour encourager et développer, développer l'économie marocaine et l'exportation marocaine sur le continent africain. Et je me rappelle, le challenge était doublement difficile, parce qu'il fallait d'abord convaincre des équipes à venir avec vous à partir de 2009 vers un terrain qu'on estimait un terrain d'homme. À l'époque, il y avait une méconnaissance totale. On se disait, je me rappelle à l'époque, des gens disaient « on va aller en Afrique ». Je dis « attention, vous êtes déjà africain. On est africain, ne l'oublions pas. Attention, parce qu'on entend, et encore aujourd'hui on entend. Donc il fallait d'abord convaincre des équipes et en convaincre également des chefs d'entreprise qui étaient majoritairement des hommes, les convaincre de suivre être le pari fou d'une jeune audacieuse qui se dit elle va aller développer justement ses PME, ses PME marocains sur le continent. Mais alhamdoulilah, grâce à ça, j'ai pu sillonner plus de 40 pays africains et les femmes africaines que j'ai rencontrées dans mon passage, pour moi, c'est les femmes les plus extraordinaires et résilientes qui existent au monde. Il y a un chiffre qui m'a toujours marqué. Vous savez que 60% des entrepreneurs en Afrique sont des femmes. 60% des entrepreneurs en Afrique sont des femmes. C'est pour vous dire à quel point la femme africaine, la femme marocaine, elle est résiliente, elle est forte. Et il faut aller vers ça, et je vous encourage à aller vers ça. En tout cas, mesdames, j'ai envie de dire, ayez une vision, osez rêver, osez vivre de votre rêve, osez changer les mentalités et vivre cette résilience justement. Aujourd'hui, on est dans un monde en mutation, un monde très difficile, un monde justement où il y a l'incertitude, où il y a un concept qu'on appelle le VUCA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est justement la volatilité du monde entier qui change. L'incertitude, on arrive, on ne sait pas ce qui nous attend. Il faut transformer cela justement en résilience. Il y a également cette complexité, on l'a vu avec Covid, on avance, on avait l'impression qu'on était arrivé, et puis hop, le monde entier s'est arrêté. Il y a également cette ambiguïté. Donc je pense qu'aujourd'hui, à travers un travail de développement personnel, à travers également une synergie, une collaboration avec les peers, qu'on appelle, avec les gens qui nous entourent, je pense que vous pouvez y arriver. En tout cas, je vous y encourage. Merci beaucoup encore pour votre attention. Et j'espère avoir un minimum. Merci beaucoup, Madame Senarico. Message plein de positivité, d'espoir aussi. Et des fois, on le sait, il suffit d'un mot pour changer notre chemin. On passe à notre troisième talk qui s'intitulera « Leadership féminin, un atout majeur pour un avenir meilleur ». Et les femmes entrepreneurs dans l'âme. Présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, et n'a pas cessé de se servir de sa passion pour le monde des affaires en vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Maroc. En décembre 2019, elle a été élue présidente de la FEM pour conduire l'intégration de la femme dans le monde entrepreneurial. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Leïla Doukaïli. Bonjour à toutes, bonjour à tous, monsieur le ministre, mesdames les ministres, excusez-moi, on a eu un petit souci d'organisation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de partager ce moment avec des intervenants de grande renommée. Je suis Leïla Doukaïli, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, et ce depuis 2019, réélue dernièrement pour continuer à mener ce combat. L'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc œuvre depuis maintenant plus de 23 ans à accompagner les jeunes porteuses de projets et ainsi à accompagner ces jeunes femmes qui sont déjà chefs d'entreprise à aller vers la croissance. Et c'est un travail de fourmi, accompagné de femmes engagées, et on parlera après de l'engagement. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur une thématique qui m'est très chère,
celle du leadership féminin. Alors si vous me permettez, si vous me laissez une minute, je ne peux pas continuer avec un truc comme ça qui pendouille dans mes cheveux. Hayat, c'est un peu dans le leadership? Vous me coupez les cheveux comme vous voulez. Un atout majeur pour un avenir meilleur. J'aime la thématique qui m'a été attribuée parce que, souvenez-vous, monsieur le ministre, lors d'une réunion officielle, je suis venue vous solliciter pour vous dire, voilà, me présenter. Je suis madame Doukali, je représente la FEM et puis j'ai besoin de vous parce que la FEM veut s'adresser à toutes ces jeunes étudiantes qui constituent un vrai vivier de développement pour notre pays. Et vous m'avez parlé de leadership, on a eu l'occasion de se rencontrer et aujourd'hui je suis là, devant vous, impressionnée, vraiment, il faut le dire. Un petit mot bien sûr pour monsieur El Kadhi. Mille merci, vous nous avez fait rêver, on en avait bien besoin. Vous avez complètement changé la perception du football dans la tête des femmes marocaines. Et je peux vous assurer que voilà, ces moments-là qu'on a passés grâce à vous resteront à vie ancrés dans notre tête. Voilà. Aller au bout de ces rêves, donc c'était en fait ma transition avec le rêve que vous nous avez permis de concrétiser. C'est ma lecture personnelle de l'initiative Leadership qui vise à renforcer votre leadership. Et vous, mesdemoiselles qui sont là aujourd'hui, nous en avons grandement besoin. Le sujet aujourd'hui, le leadership féminin, un atout majeur pour un avenir meilleur. Savez-vous que plus de la moitié des bancs d'université au Maroc sont occupés par des jeunes filles et qu'après nous les perdons, nous ne les retrouvons pas dans la vie active? Tout cela parce que nous avons été programmés pour nous marier, gérer, construire et gérer un foyer. L'état de panique familial commence généralement vers l'âge de 25 ans, en moyenne, si la jeune fille n'est pas mariée. Je l'ai vécu, mais je n'ai pas cédé, parce que cherchant impérativement mon autonomie financière, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 26 ans. Et en fait, j'ai du mal à croire quand je vois toutes ces jeunes filles ou que je côtoie au quotidien toutes ces jeunes filles qui sollicitent l'association. J'ai du mal à croire qu'après toutes ces nuits blanches que vous avez passées, tout ce stress, le fait que vous soyez pour la plupart du temps éloigné de votre famille et pour différentes raisons, que vous obteniez un diplôme d'une manière brillante et que par la suite, ce diplôme-là finisse dans un tiroir. Et que vous ne puissiez pas aller au bout de vos rêves et de vos ambitions. Je n'y crois pas et je ne veux plus y croire et c'est pour ça que je me tiens devant vous aujourd'hui. Le Maroc a des objectifs glorieux grâce à un nouveau modèle de développement. Et nous ne pourrons pas atteindre tous ces objectifs si nous laissons en bord de route la moitié de notre population, qui sont vous, mesdemoiselles, aujourd'hui. L'engagement du gouvernement à mettre en place des initiatives efficientes est là au quotidien. La FEM travaille au plus près avec ses ministères de tutelle. Et Leadership en est un exemple et j'aimerais qu'on applaudisse s'il vous plaît. Si je suis là aussi aujourd'hui et si la FEM est là devant vous, que je représente, c'est pour vous rappeler, mesdemoiselles, et je vous regarde toutes, j'essaye de vous dire à quel point vous êtes précieuses et que vous avez tout le potentiel requis pour être de véritables actrices de développement pour notre nation. Nous ne pourrons rien construire si nous laissons plus de la moitié de la population en bord de route. Certes, le gouvernement, comme je l'ai dit, est mobilisé pour mettre en place des initiatives pour favoriser l'autonomisation économique des femmes. Mais il n'y arrivera pas sans vous
et sans votre détermination, les mentalités doivent évoluer et seule votre détermination pourra y contribuer. Je sais par contre que ça ne sera pas simple. Je sais que l'entrepreneuriat que je représente vous semble un parcours du combattant. Et il est, je ne vais pas le mentir, j'ai été entrepreneur, j'ai démarré, ça n'a pas été facile. Mais sachez que vous avez toutes les ressources, mesdemoiselles, nécessaires pour aller au bout de votre rêve. Cette autonomie financière que vous aurez vous permettra de construire le Maroc de demain et de ne dépendre de personne. Et ce luxe n'a pas de prix. C'est ce que me répétait mon père Nahmo, que si Mohamed Nangela connaissait si bien. Il était très exigeant pour les études, très aimant, grand monsieur, mais très exigeant pour les études. J'ai fait mes études supérieures en France. J'ai eu une proposition d'emploi par la suite. Et puis, je préfère évidemment rentrer au Maroc, parce que c'est ma passion, c'est ma patrie, et que je voulais m'y sentir utile. Donc je suis rentrée, et qu'il était très exigeant parce qu'il savait des choses que moi je ne savais pas à 23 ans ou à 25 ans, l'âge que vous avez aujourd'hui. Que mes diplômes, en fait, allaient représenter la première étape dans une quête de liberté d'être, d'agir et de rêver. Mais ce n'est qu'une étape. Le chemin est encore long et nous serons là pour vous aider. Il est vrai que nous évoluons dans une société patriarcale et qu'il est difficile pour nous, femmes marocaines, d'imposer notre volonté. Mais si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, j'utilise ce moment-là pour vous dire et vous rappeler que la FEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, à travers toutes ces représentations régionales, nous sommes présentes sur 6 régions du Royaume, et là pour vous accompagner au quotidien, vous porteuses de projets, ou tout simplement vous écouter, savoir où vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces brevets qui dorment dans des départements de recherche-développement, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nation. Nous disposons d'incubateurs, de mentors, de help team, d'une cellule d'écoute, de programmes de formation, d'un réseau national et international. Et enfin, de contacts directs et personnalisés que nous avons construits avec notre banque partenaire, parce que nous savions que le problème du financement était toujours une pierre dans la chaussure. Donc nous avons choisi notre partenaire qui accompagne chaque jeune fille, une par une, jusqu'à ce qu'elle puisse aboutir à son rêve. Je vous conseille néanmoins, comme je l'ai fait, de démarrer tout d'abord, après votre diplôme, avec une expérience dans le salariat, pour mieux comprendre les exigences de l'entrepreneuriat et en connaître les contours. Et puis cela vous permettra de mesurer votre capacité à la résilience ainsi que votre agilité. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Parce que le salariat peut aussi vous convenir. C'est aussi une source d'émancipation et d'indépendance financière. L'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Peut-être que vous vous sentirez prête plus tard. D'ailleurs, l'âge moyen de création d'entreprise au Maroc pour une femme est aux environs de 42 ans. Vous avez le temps. L'essentiel est que d'une manière ou d'une autre, vous apportiez une pierre à la construction de l'édifice. Le Maroc est dans un tournant historique de son économie, et il a besoin de ses hommes et de ses femmes. Un avenir meilleur pour notre pays ne pourra se dessiner qu'avec l'ensemble de sa population. Le Maroc a besoin de vous. Vous êtes, mesdemoiselles, sa force vive. Ne l'oubliez pas. Merci beaucoup.